Le Drive, Supernova. Tous les vendredis sur Pure FM dans le Drive aux alentours de 18h30, eh bien on vous parle jeux vidéo et aujourd'hui Gilles Baneux nous a rejoint pour nous parler de Dragon Age Inquisition. Salut Gilles. Salut Guillaume. Ça va bien? Oui, je suis un peu tout sauf parce que néanmoins malade, soit je suis à la place de Bene, j'ai l'impression d'être un peu le maître du monde, façon Enterprise, les commandes, voilà, je suis un peu tout sauf, malgré la maladie. Soit. Le siège est encore chaud, tu dois oui, le sentir. C'est vrai. Et aujourd'hui donc on va vous présenter le jeu, encore un jeu très attendu cette année. Et en cette fin d'année, Dragon Age Inquisition, développé par l'excellent studio BioWare. Effectivement, troisième du nom, Dragon Age Inquisition, c'est un pari depuis 2009 d'un grand studio de jeux vidéo essentiellement orienté PC à la base, oui. C'est BioWare. C'est des gens qui... Enfin, chaque semaine, on a un peu tendance modestement à dire avec Guillaume que chaque développeur de jeux vidéo poursuit une idée. Et ici, l'idée de BioWare, c'est vraiment de proposer une histoire, un jeu de rôle immersif et surtout avec une plus-value au niveau du dialogue. Alors, ici, Dragon Age revient avec un nouveau titre. On parle d'Inquisition. Voilà, je vais pas faire le prof d'histoire que je ne suis pas. C'est un peu étrange, étant donné le rôle passé de l'Inquisition 12e siècle par rapport à l'Église catholique. Soit, là, ils s'en fichent complètement, ils reprennent ça en transformant le terme Inquisition par rapport à un tribunal de guerre qu'on va présider en tant que élu, entre guillemets. On incarne un personnage, c'est ça qui est important. En fait, dans ce genre de jeu, on crée tout de A à Z. Les joueurs, les vrais, les hardcore gamers qui nous écoutent, qui jouent à WoW ou toute autre sorte de jeu qui demande un certain investissement, connaissent ce genre de choses. On commence, on crée son personnage masculin, féminin. Et ça nous prend parfois, mais alors du des temps. C'est terrible. C'est atroce. Ouais, effectivement. Excuse-moi. Dans celui-ci, j'ai essayé de créer un personnage masculin. Je n'ai jamais réussi à faire un type qui avait l'air un tant soit peu intelligent. J'ai essayé de faire une jolie donzelle. Bref, voilà, je me suis caché derrière une demoiselle qui, dans l'histoire de Dragon Age, reçoit alors le coup classique au niveau du scénario, c'est toujours la même chose dans les jeux vidéo. On incarne un joueur, on ne le connaît pas, et lui, il est amnésique. Donc ça, c'est goal d'entrée. Le joueur qu'on incarne est affublé d'une faille, enfin dans sa main, il a une espèce de signe, un pouvoir magique qui lui permet de refermer des failles démoniaques. Voilà. Ah voilà. Oui, ça y est, l'élu. Ah ouais, voilà. On en revient toujours à l'élu. Est-il l'élu ou pas? C'est ça. Alors, c'est un jeu que j'attendais énormément, c'est un jeu qui demande énormément d'investissement. On parle de 50 à 60 heures de jeu pour la quête principale. La quête principale, c'est un cataclysme, nous plonge dans le monde de Tedas, dans un chaos sans précédent. Les dragons sillonnent les cieux, voilà, c'est très à la mode avec Daenerys, avec Game of Thrones. C'est à vous de restaurer l'ordre. Voilà, en un mot, je ne vais pas plus loin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on monte son équipe de 4 personnages joués par l'ordinateur ou par en multijoueur. Tout ce qui est dialogue est interactif. Ce qui veut dire que les choix qu'on va faire de réponse suite à une roue qui nous permet de répondre différemment ont des incidences sur le jeu. Alors je le dis tout de suite, dans la tradition de BioWare, on va même jusqu'à avoir des romances. On va même avoir des scènes de sesque. Voilà, Ça fornique dans ce jeu. Effectivement, mais c'est très suggéré. Voilà, Dragon Age, ce n'est pas pour monsieur tout le monde. C'est surtout, enfin, sans dénigrer absolument pas, c'est pas un jeu dans lequel on rentre 5 minutes. C'est un jeu dans lequel il faut jouer des heures et des heures. En tant que fan, après peut-être 20 heures de jeu, je n'étais pas encore dedans, disons. Donc en gros, les débuts, ce que tu racontes, c'est que les débuts sont difficiles. Absolument. Ah ouais, c'est ça. C'est surtout dans cette version. Toi, tu as joué aux deux premiers aussi, comme moi. Mais il faut des heures avant de se dire, ok, là, on a posé le terrain de jeu, c'est parti. Donc c'est un jeu, d'un autre côté, on en a pour son argent, tellement le jeu est dense, tellement les possibilités sont multiples, c'est assez énorme. Graphiquement, il y a des intentions aussi. C'est présent tant sur PC que toutes les consoles. Il y a un dépaysement qui est total. Le but de ce genre de jeu, c'est vraiment de proposer un univers dans lequel on va s'oublier. On peut choisir une classe de caractère, un mage, un guerrier, un templier, un voleur. Bref, c'est vraiment un jeu pour décrocher. Énorme attente de l'éditeur par rapport à ce jeu, mais
assez difficile à vendre, comme la plupart des jeux qu'on voit sur des bus ou dans des grands espaces publicitaires, parce que ça demande vraiment du courage, l'idée aussi de se laisser prendre par la main et de s'oublier dans une quête où on va nous dire il faut faire ça, 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 ça. Et il faut le préciser aussi par rapport aux deux précédents épisodes, donc Dragon Age 1 qui était Origins, je crois, en 2009, voilà. Et puis le 2 qui avait moins bien marché, le 2 avait été un peu... Beaucoup de reproches. Oui, beaucoup critiqué. Il faut préciser que cette fois-ci, c'est un monde semi-ouvert, on va dire, parce que c'est des zones, c'est ça, qui sont c'est ouvertes. Et, exactement. Et donc là, on a vraiment une grande liberté, plus de liberté que dans les deux précédents. Effectivement, il n'y a pas X millions de joueurs de WoW de par le monde pour rien, ça devient le standard, ça devient... On essaie de rivaliser avec cette expérience de jeu à la maison, non connectée ou connectée. Et donc, c'est vraiment des codes qu'il faut connaître. C'est un univers de geek, bien sûr, mais c'est quand on joue le jeu, ça reste un très bon moment de jeu vidéo et d'évasion. Dragon Age Inquisition, un jeu qu'on recommande aux joueurs alors un peu assidus, on peut le dire. Voilà. C'est pas donné à tout le monde. Ou les curieux. Les curieux, les... Voilà, les courageux. Voilà. Un jeu donc que vous pourrez remporter dans quelques minutes. On vous offrira des exemplaires sur toutes les plateformes PC, yes. PS4 ou Xbox One. Ce sera à vous de choisir. On en reparle dans un instant. Merci Gilles. Mais de rien. À la semaine plaisir. Prochaine.